Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino. Il s'agit de l'épisode numéro 6 du DLC d'Outer Wilds, appelé Echoes of the Eye. On va continuer. Alors la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? On a réussi, alors déjà, je suis obligé de faire le petit avertissement avant. Si jamais vous avez envie de faire ce jeu, ne restez pas ici, vous allez vous spoil le jeu de base, vous allez vous spoil le DLC. Le jeu est basé sur l'observation et l'exploration, donc si vous faites ça, c'est pas bien. Voilà, donc vous êtes prévenus, dans à peu près 20 secondes, je vais raconter ce qui se passe, ce qui s'est passé, et vous allez vous spoil grave. Donc, c'est pas que je veux vous virer, mais si vous voulez le faire, allez-vous-en. Il faudrait un jeu Banal Fantasy, la saga P3FMV. Ouais, Banal Fantasy. Ouais, mais ça colle pas en anglais, ça, Banal Fantasy. Ok, donc la dernière fois, on a réussi enfin à ouvrir le coffre sur l'étranger, qui est en fait qui abritait un prisonnier, ou plutôt qui enfermait un prisonnier, puisqu'il était prisonnier évidemment. Ce prisonnier nous a expliqué pourquoi il a été enfermé, que a priori il aurait retiré une espèce de bouclier autour de l'œil de l'univers. Ce qui fait que l'univers s'est mis à communiquer avec l'extérieur, et potentiellement c'est ça qui a alerté d'ailleurs les Nomai et qui a fait venir les Nomai dans le système solaire. Le fait est qu'apparemment ce qu'il a fait n'était pas bien, son peuple l'a enfermé, l'a banni à vie en fait, enfin même l'a enfermé à vie, dans le monde onirique d'ailleurs en fait, hein. Il n'était pas, forcément son corps était déjà mort depuis bien longtemps. Et il nous a expliqué tout ça. Et il nous a dit aussi, à la fin, qu'il faut qu'on aille avec lui quelque part. Voilà. J'ai regardé d'ailleurs la vidéo. D'ailleurs, je vais faire ça parce que je sais où on va aller. On va devoir attendre de toute façon. J'ai regardé d'ailleurs la vidéo encore plusieurs fois après. Et je pense vraiment que ce que ça veut dire, c'est qu'il est avec nous, en fait. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il est avec nous et qu'il veut aller voir l'univers. Je pense qu'il n'y a pas d'autres, vraiment d'autres explications que ça. Mais bon, après on peut se planter, mais... Sablier noir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je peux pas... Merci. Voilà. Donc on va voilà, donc on est parti sur le du principe que maintenant qu'on a cette information là, eh bien qu'on peut tout simplement refinir le jeu pour potentiellement avoir la fin du DLC. Je sais pas. Mais voilà. On en est là. Si ça se trouve c'est pas du tout ça. Et mais bon, il faut test. Sinon, l'autre truc qu'il y a à faire, c'est tout simplement de retourner sur l'étranger et de faire le tour de tous les trucs qu'on a vus partout, pour voir s'il y a des changements. Mais c'est tellement lourdingue que... Je suis pas sûr d'avoir envie de faire ça, quoi. Bref. Et merci d'avoir envoyé le code. D'ailleurs, ça va nous être bien utile, mon écho. Les coordonnées de l'œil de l'univers que je n'avais plus forcément. Donc là on va devoir se poser et puis attendre parce que là du coup ouais, ce qu'on va faire c'est qu'on va pour terminer le jeu en fait il faut récupérer une batterie pour alimenter le... Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Il veut pas venir, un truc? Pour alimenter le vaisseau Nomai. Mais le truc, il... Attends, je comprends pas. Le projet Sablier Noir, c'est bien un endroit... Un générateur de distorsion avancée. Une pile, quoi. Une grosse pile futuristique qui fait des trucs. Mais en fait, c'est la... Ah oui, c'est l'intérieur, en fait, que je suis con. C'est l'intérieur que je cible, en fait.
C'est puisque le projet Sabir Noir, il est dans le noyau de la planète, en fait. Et là, la planète est en train de se vider de son sable. On attend que ça se vide correctement pour pouvoir aller dans un bâtiment particulier et justement nous téléporter à l'intérieur, en fait. On va attendre là. On va attendre un petit peu. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on sait du coup Tiens, je crois qu'on voit le satellite là-bas. Petit point rouge. C'est compliqué tout ça, hein, mais j'ai l'impression que du coup, ce peuple en savait beaucoup plus sur l'œil de l'univers que les Nomailles, en fait. C'est l'impression que ça me donne. Et que... Est-ce qu'ils en avaient peur, en fait? Puisqu'ils ont mis quelque chose pour bloquer les... ce qui provenait, espèce d'onde ou, je sais pas, de communication à partir de l'œil de l'univers qui allait vers le... Qui sortait même du système solaire, puisque c'est ça qui avertit les Nomailles, et que les Nomailles ont suivi le signal pour aller... ce que j'ai compris, hein. Pour aller sur... comment pour aller voir l'œil de l'univers, en fait. Mais bon, il y a encore plein de questions qui restent sans réponse, mais... Coucou Yannick, eh ben ça va bien et toi, comment vas-tu? On essaye de terminer le DLC de Outer Wilds. Normalement j'aurais dû jouer avec Mu, mais Mu est malade, malheureusement. J'espère qu'il sera remis d'ici la semaine prochaine, qu'on puisse continuer Journey to the Savage Planet. Mais du coup, bah, j'en profite pour faire ça. Ouais, ils en avaient peur car quand ils l'ont scanné, ils ont une vision que l'œil allait tout détruire. Ah, c'est ça! D'accord, j'avais oublié cette vision-là. J'avais oublié ça, Nico. Mais en fait, c'est pas l'œil qui détruit tout, c'est l'intrus qui défonce le soleil. Ok, on a déjà ça qui est sorti, donc on va avoir le reste qui a dû sortir, non? Là. Voilà, on va éviter ça, ok. Ok. Je pose un peu plus loin. Voilà. L'intrus défonce notre soleil, mais on voit tous les soleils à exploser, perso, je suis pas certain de savoir pourquoi. Ah! Ah bah peut-être que c'était le cas alors. Peut-être que c'est le cas au final. Peut-être que l'œil de l'univers défonce tout alors. On n'a pas regardé l'heure, mais bon, ça devrait le faire. De toute façon, là, avec ce qu'on va faire, soit on y arrive, soit on se fait défoncer par un sélacanthe. Voilà. C'est clair et net. Ça se joue à ça. Tu peux le voir si tu regardes les étoiles avec le zoom de ton truc de fréquence. Tu peux voir quoi? Les étoiles avec le zoom de ton truc de fréquence. Voir quoi? Coucou Ténéor. Et c'est vrai, ça, je m'en suis jamais servi, en fait. Je m'en suis jamais servi. Je sais même pas si je savais qu'il y avait un zoom avec ce truc-là. Ça va bien, Tanner. Ah, les soleils explosés. Ouh, ah, ok, je savais pas. D'accord. Ah. Intriguant, du coup. Intriguant. Week-end, trop content. Ouais, ouais. Bah moi j'ai bientôt fini mes vacances, donc je suis moins content, mais ça reste quand même le week-end et c'est cool quand même.
Eh ben moi ça va. On s'apprête à. On tente de finir le DLC. On essaye une théorie qui fait qu'on doit refinir le jeu à maintenant qu'on a les informations nécessaires. Mais après, ça va peut-être pas marcher, hein. On va bien voir. On sortirait le guetteur après avoir fait le TV. Ah. Bien vu. Bien vu. Bam 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 bam. Bon, il y aura qu'un truc qui m'aura chagriné un petit peu dans ce. Dans ce DLC. Enfin, non, il y a plusieurs trucs qui m'ont chagriné, mais il y a un truc qui m'a chagriné quand même au niveau de l'exploration, c'est qu'on n'aura jamais appris à lire les caractères. L'écriture des étrangers. Et hop, hop, j'ai dit, merci. Bon, je retourne rabaisser là. Je préfère. J'ai toujours fait comme ça. Ouais, putain. Par contre, là. Ah, mais non, en fait, elle est. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, voilà. Non, je pense que c'est un certain. Ah, ok, d'accord. Bah, je sais pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. On n'a pas essayé de les lire depuis qu'ils ont partagé en vision. Peut-être qu'on sait lire maintenant. Ah, c'est possible en fait. Carrément raison. T'as carrément raison. C'est possible. Je kiffe cette zik. Ok, il est où le soleil? Il est là, le soleil. Et c'est où? Son bronze, son bronze, son bronze. Ça va? Ok. On peut zoomer avec ça aussi? Non, ok. Attendez, hop. Chaque fois je le loupe. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Juste à côté en fait. Ah ok. Bon. Alors on prend laquelle? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Prendre celle de derrière. Prêt, c'est parti. Ouais, donc on est rentré à l'opposé en fait. Je pense que c'était la bonne technique. Parce qu'on n'est pas trop loin là. Peut-être qu'on sait lire, mais après, bon, c'était que des panneaux, genre interdiction de rentrée ou le nom de l'endroit, ce genre de truc. Donc bon. Ah, enfoiré, il est juste là. Ok, bon, bah, je sais pas si on est rentré au bon endroit en fait. Parce que là, ça s'éloigne. Putain. Fuck.
Ah, je suis deg, et puis là, quoi. Le machin, il nous fonce dessus direct. Ah, fuck. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à faire, là. Hein. Ressortir et rentrer. Tester un truc. Yeah. Ok. Ok. Donc là, on va chercher le vaisseau. Ouais. Tout à fait d'accord. Un peu YOLO, mais je me suis servi de la racine. Je me suis dit, bah, peut-être se cogner dedans et tout, ça va me donner un peu plus de temps. Ok. Voilà là. La capsule de sauvetage plutôt. Ok, maintenant il faut suivre les loupiottes qui sont là. Voilà. On se calme, pas casser le vaisseau maintenant. Pas casser le vaisseau. Dessous, on avait que c'était mieux tout à l'heure. Ok, enfin, normalement, putain. Alors, l'autre, c'est là quand il est là, là, c'est le point blanc. Bon, voilà. Là. Là, on se laisse dériver, on est d'accord. 2 km 2. Parce qu'on dérivait un peu trop vers la droite, mais. C'est trop balancé comme ça. Ok. On arrive, on rentre le. Ouais, après, il faut bouger la boule bleue. Rentrer les coordonnées. Rebouger la boule bleue, rentrer dans le trou noir, et après on est bon au niveau timing, je crois, si je me rappelle bien. Ah, je sais pas où est le troisième, en fait. C'est la cante. Je crois qu'on passe devant. Ou alors il est en dessous. Je les presse. Il est là. Il est juste là. Il est juste là. Donc, dès qu'on s'approche de la racine, on va pouvoir booster. Parce que. On va. Et je vais. Yes. Ok. Wouh!
Parfait. Ok, on se pose là. Nickel. Ok. On est full tout, c'est bon, c'est parti. Hop, hop, hop. Pas se tuer non plus. Ah, de toute façon, les murs sont en mousse, c'est vrai. Ça, c'est pour tenir compte du fait. Je pensais à ça. Je me suis dit, si ça se trouve, les gens qui ont bêta testé le truc, ils ont dit, ouais, on est trop en panique à la fin. Vous pouvez pas nous faire tuer sur des murs, c'est pas possible. Merde. Ok. Voilà, on récupère la gravité, ça c'est bien. Donc là on met à droite. On va là. Je mets la pause parce que je prends le truc, le screen que Maoneko m'a envoyé. Merci beaucoup pour me rappeler les coordonnées. Tac tac, ok. Donc c'est. On commence par ça. 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 Ça, hein. Là. Là. Tac, tac. Tac. Tac, tac. J'aimerais me faire tatouer les coordonnées de l'œil de l'univers. Hein. Voir le logo. Hein. Wow. On se calme. Non, non, non. 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 Merci. Tac. 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 Je fais comment après? Ah mais non. Je fasse dans l'autre sens, sinon ça va pas marcher. Donc faut commencer par là en fait. Passer par les lignes, ça gêne pas. Ah ok, j'avais pas. Ok. Et ensuite, on fait ça. Ça a pas marché. Faut activer là où t'as entré les coordonnées. Ah ok. Pardon. Ok. Et là, normalement, le temps est en pause, c'est ça? Si je me rappelle bien. Alors, je sais même plus ce qu'il faut faire. Je rebouche ça, là. C'est ça. Je vais là-dedans, hein. Je me plante pas. Juste pour être sûr, parce que je me rappelle plus vraiment. Ouais, ok. Et là, on va se retrouver directement à l'œil de l'univers. Ok. Donc là, on avance. C'est joli. On a toujours les... Et merci, Maoneko, parce que c'est vrai que je m'en rappelais plus vraiment. Donc, hein, on peut pas. Il y a trop de gravité, là. Ouais, ouais, ça, je crois que je me souviens qu'il faut avancer à balle. Et puis il me semble qu'on s'était baladé un peu à droite à gauche, mais qu'il n'y avait pas grand chose. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais bon. Du coup, après entendre de revisiter le DLC auquel les textes sont lisibles. Ouais, on peut aller voir. Hein. Après, on pourra aller voir. Bah attends, on n'est pas sûr que ça va marcher déjà. Déjà, on n'est pas sûr que ça marche. Ok. Ah. Plein de trucs quantiques partout. Mon Dieu.
Du moment qu'il nous balance pas de Célacanthe, moi ça me va. Ah mais la première fois qu'on s'est ramené là, mais j'ai halluciné, c'était trop bien. Ouais, là il y a un gros trou, c'est ça. Je me rappelle plus là. Ah il faut aller là. Ah, aïe. Ah ouais, non, faut pas que je me tue. Tu peux marcher sur l'intérieur des cratères. Quoi? Faut monter tout en haut du cratère par l'intérieur pour sauter un truc. Saute là-dedans, hein, c'est ça? Ouais. Non. Oh putain, si je me tue, je vais être dégoûté. Ah mais Et puis le bout? Ouais, je sais plus où il est le bout, là. Tourne dans le cratère, ça marche. Là, là, depuis là en fait. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Putain, j'ai aucun souvenir de. Je me rappelle de... d'un grand trou et tout, mais je me rappelle pas du. De ce truc là en fait. Et là, j'y vais. On avait ça avant. Ça c'est les. Pour la modicie fut fondée par. Ouais, on avait ça avant. Ouais. Ok. Ok. Blablabla. Alors vu qu'il y a l'exposition, est-ce qu'on a les nouveaux trucs? Donc ça c'est les nomoy. Alors s'il y a les nouveaux trucs. Tac tac. Donc ça c'est ouais voilà. Taux de transmission bla 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 bla. L'individu a choisi de se rebeller contre cette décision et parvenu à relâcher Briève. Oh attendez, non c'est nouveau ça en fait. Taux de transmission présente sur Atrebois a été construite pour recevoir les messages de notre satellite espace lointain et abrite encore aujourd'hui les toutes premières photos de notre système solaire entier. Ça, on savait. L'une de ces images a révélé l'existence d'un anneau invisible habité par une espèce dont la présence dans notre système solaire remonta encore plus loin que celle des Nomai. Cette espèce est venue d'un système solaire proche à la recherche de l'œil de l'univers, mais horrifiée par ce qu'ils en ont découvert. Ils ont décidé de bloquer le signal de l'œil pour que plus personne ne puisse le trouver. Toutefois, un individu a choisi de se rebeller contre cette décision et est parvenu à relâcher brièvement le signal de l'œil dans l'espace avant d'être capturé et isolé pour cette trahison. Ouais, on est d'accord, c'est nouveau ça. Donc ça veut dire que ce qu'on a fait en fait... Parce que là, on est dans le futur en fait. Donc ce qu'on a fait en fait a influé ça. Donc ça veut dire qu'on est bon. On est bon. Enfin, on est dans le futur. On dirait le futur, en tout cas. Puisque ça c'est ce qu'on a découvert, en final.
Ah oui. Yes. Ça, c'est énorme. Ok, donc là on doit trouver les... On va trouver nos potes. Je me suis dit que je peux crever, je vais pas faire le kéké. Non. Il y en a avec des bleus. Ah, qui sont en train d'exploser en fait. C'est ça. Putain, je sais plus. Tu l'avais vu la fin, Jim, là-haut, toi? Voilà, faut attendre que tout pète, c'est ça. Ah, ça j'ai pas, c'est marrant, je me rappelle pas de ça. Mais c'est le feu. Allez. Miam. Ok. Ok, donc va falloir trouver tout le monde. Attends la musique, ah oui, il faut trouver. Et une guimauve cramée. Ou chamallow, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Pas trouvé, y a pas un trou qui se forme à un moment donné, un endroit. Ah voilà. Faut retourner là-bas. C'est quantique. Ouais, à partir du moment où y a un truc change quand quand tu le regardes plus, c'est que c'est le cas. Là, tout le monde, blablabla. Attendez. C'est quoi, ça? Ok, on va y aller après. Est-ce que c'est le... C'est Solanum ou... Oh, je pense que je vois ce qui va se passer. Je sais plus ce qu'il faut faire, putain.
Ah. Non, ils me l'ont pas. Ok, bon. Oh! Tâche, j'avais complètement zappé! Harmonica, ok. Retournez voir au centre. Allez, on va le faire celui-là. Donc ça, c'est ça. Donc ça, c'est le DLC. Donc c'est ce que je pensais à tous les coups. Il va falloir ramener le prisonnier avec nous. Ouais. Oh là là. What? Yes. Elle est trop jolie cette planète, n'empêche. Ok. Oh là là, les portraits des compagnons. Ok, va falloir éteindre. Salut. Oh. Pas flippant, monsieur. Ok. Bon, bref, on l'a pas manqué. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Ah, faut zoomer. D'accord, bah tu vois, j'avais complètement zappé, donc c'est... Je savais comment zoomer à l'époque, et là, j'ai oublié, en fait. Ok, merci, Manoc. Belfi qui raid. Coucou Belfi. Belfi il raid et après il défend le raid. C'est gentil, remarque. Comment ça va? Bienvenue à toi, à ceux qui étaient chez toi. Alors je préviens, on est à la toute fin du. On était plus très nombreux. Non mais c'est pas. T'inquiète, c'est pas grave ça. C'est. Tu sais, moi je host. N'importe quel moment de la journée, alors qu'il n'y a personne sur la chaîne. C'est, ce qui est important, c'est le soutien et de renvoyer les gens. Donc, t'inquiète. Je préviens quand même qu'on est sur la fin du DLC, qui semble être la fin du jeu, en fait. On avait déjà fini le jeu, mais en fait, voilà. Donc, si vous voulez pas de spoil, toi, Valfi aussi, je sais plus si t'avais vu la fin, si tu t'en fous de spoil ou autre. Mais là... Le grésillement, c'est le jeu, t'inquiète. Regarde, je... Voilà. Donc voilà, je préviens pour si jamais je reprends dans 5 secondes.
Je laisse le temps de cliquer sur la petite croix en haut à droite ou de changer de chaîne. Si jamais. 5, 4, 3, 2, 1. Attention, énorme spoil. Oh, il est là. Pourquoi il s'approche pas? Oh. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait comme voix, lui, en fait? Non. Ouais, comme ça, ouais, c'est bien ça. Lorsque les miens ont trouvé l'œil et réalisé de quoi il était capable, la terreur s'est emparée d'eux. C'était une vérité trop dure, comme une lumière trop forte pour être regardée en face. Elle leur brûlait les yeux. Ce qu'ils ne pouvaient pas oublier, ils l'ont caché dans les ténèbres, dissimulé puis perdu. Ils ne voulaient pas connaître la fin de leur histoire. Les miens n'ont pas toujours été ainsi. Nous n'avons pas toujours été si timorés. J'ai fait ce que je pouvais pour rétablir l'ordre des choses, mais je fais partie de mon peuple. Et vous savez maintenant ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas promettre que notre peur ne déteindra pas sur vous. Un choix s'impose. Voulez-vous vraiment vous souvenir de moi? Ouais. Rejoignez-nous, nous verrons bien ce qui arrive. Votre voyage se touche à sa fin, vous avez bien agi. Rejoignez-nous, non? Oh là là. Bah oui, on est d'accord, hein. Je demande quand même à... Je demande quand même au canapé, parce que ça a l'air d'être un choix important, on va pas tout refaire. Ouais, on est d'accord, hein. C'est ce qui semble plus logique, tu nous rejoins, et puis, on bouffe des guimauves autour du feu, allez. Je ne souhaite pas répéter les erreurs des miens, mais si vous acceptez de prendre ce risque, je l'accepte aussi. Ok. Ok. Eh ben il est là. Yes. Il nous en manque. Il nous en manque un. Il nous manque Solana. Ah mais attends. Oh ah mais non. Mais Solana, il va peut-être pas être là parce que... Parce qu'on n'a pas, pas été sur la Lune. Hein? Si, il va être là, on l'a pas rencontré. Donc c'est ça, Solanum, c'est ça son instru, je sais même plus moi. Ah oui, putain, j'avais oublié, c'est quoi le trip ici? C'est plus. Je sais plus non plus. Ah là. Putain. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Il va nous manquer Solanum, ouais. Ouais, c'est grave dommage, ouais. Attendez. Ah, c'est dommage. C'est con, hein. Ouais, c'est con. Bah, tant pis, hein, si je te dise. Je pense pas que ça nous coupe la fin.
du jeu, enfin et du DLC quoi. Mais c'est débile qu'ils aient pas fait ça. Ah, Solanum est censé être ici, ouais. Ah ouais, non, mais ça peut pas finir. Bon. Je n'osais pas croire que quiconque entendrait le signal. Je n'ai pu le relâcher que si peu de temps, et pourtant nous y voilà. Vous sentez-vous en mesure de continuer? Ouais. Il est temps dans ce cas. Envoyons notre étincelle dans les ténèbres. Ça marche quand même. Ah, c'est de la scie musicale. Bon. Ben, j'espère que ça impacte pas le... Non, je pense que c'est la... Bref, hein. Bizarre, mon impression est que c'est pas la fin du DLC, mais une fin alternative. Ah ouais? Bah pourtant, on avait le prisonnier avec nous et tout. Jeter un œil à la soleil si tu me dis ça marche. En attendant, on peut aller voir. On va voir déjà s'il y a quelque chose après de différent à la fin des crédits. Parce qu'à la fin des crédits, normalement, il y avait cette magnifique carte postale. De toutes les planètes là. Donc ouais, en toute logique, à la fin, je suis en train de regarder en fait l'écran de fin qu'on avait eu dans le jeu de base. Et il y a toutes les planètes, effectivement. On est sur Atrebois, et il y a toutes les planètes en haut, enfin dans le ciel. Donc si ça se trouve, on devrait voir l'étranger en plus, quoi. En fait, c'est ça le truc, c'est que le peuple de ce nouveau peuple là, les étrangers nous rejoignent en fait, si je comprends bien. Le seul truc à mon avis qui pourrait poser problème, c'est le fait qu'on n'ait pas Solanum avec nous, mais bon, ça serait quand même salaud parce que bon. Après, pour aller voir Solanum, on pourrait le faire, mais c'est chiant quoi, faudra tout recommencer encore, hein.
On peut facilement aller sur sur la lune quantique et aller sur le pôle pour pouvoir on va voir ce que Maoneko en dit. Mais on va voir si l'écran est le même ou pas. Après, on pourrait faire d'autres choses, comme par exemple amener le cœur là dans l'étranger pour voir ce qui se passe quoi dans le vaisseau. Mais bon, de toute façon, du coup, ça, ouais, parce que ça casse la boucle. Enfin, ça, la boucle est cassée, mais on est mort. Quoi. Donc, de toute façon, ça change grand chose. Apparemment, c'est ça la fin. Ah, un peu déçu, perso. Ah oui. Coucou Avia. Ah oui. Ah oui. Si tu veux voir la fin, ça sera pour la rediff. Mais on n'a pas fini le stream. On va aller découvrir Final Fantasy XIII. Je savais pas que je dirais ça un jour. Hein. Mais bon. Et ouais, on a attendu un petit peu que toi et OSC vous pointiez, mais bon. On avait raison apparemment, Avia. Il fallait bien refinir le jeu, quoi. Il m'a dit état grippal. Ça veut pas dire qu'il a le Covid ou la grippe, quoi. Ça veut dire qu'il se sent mal foutu et il a été pas motivé pour jouer, donc voilà. Alors, on va faire la découverte de Final Fantasy XIII, tout à fait. Mais avant ça, on va quand même retourner dans l'étranger, voir si on peut faire 2-3 trucs rigolos. Tu veux voir, hein, bah reste. Alors, 14,3 milliards d'années plus tard. Ça fait longtemps. Il y avait ça aussi, je crois. Ouais. Ouais, ça c'est magnifique. Bon bah, il y a pas l'étranger là. Ou alors si? Non. J'ai pas le son et pas la vidéo du live pour l'instant. Ah, bah moi j'ai pas de soucis sur mon retour. Hein. Bon. Tant pis. Moi j'ai pas de soucis sur mon retour. Hein. Enfin bon, on va pas arrêter la vidéo là, je vais regarder s'il y a d'autres fins. Est-ce qu'il y a d'autres fins, Maoneko? Hop. Il doit y avoir d'autres fins, je pense. À mon avis, aller choper le cœur machin là. Je viens de chercher un peu, j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose. Ah. Ah. Ok, bah merci de regarder en tout cas. Et Valfi, je sais pas si tu nous entends ou pas, mais y a pas de soucis, je crois. Je pense. Je vais toujours tester de traduire les têtes. Ouais, wow, on va aller voir. En fait, ce qu'on va faire. Je veux faire un truc. On va aller. On va aller chercher le cœur, machin. Prends le réacteur et va dans le monde onirique. Voilà, bah c'est ce que je voulais faire. Bon bah, nickel. Comme ça. J'ai l'agent Valfi. Final Fantasy, quoi?
10, elle c'est 50. Ça fait 40. Final Fantasy 40. Wow. Oh bah si, pourquoi pas. Mais ouais, non, mais je connais, il a même fallu juste une seconde pour le calculer. Vu qu'en romain, on calcule avec le... Le chiffre se retire. Ok, on aurait peut-être dû dormir en fait. J'oublie toujours. J'oublie toujours, toujours. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Il pourrait y avoir d'autres, d'autres achievements. Ouais, je les ferai. Je les ferai de mon côté, on va pas se prendre la tête là. Je veux juste faire une autre fin pour voir s'il y a un truc rigolo. Apparemment, il y a deux fins alternatives. Ah, ok. Donc il y en a une où tu prends le réacteur et tu vas dans le monde onirique. Et j'imagine que tu attends la fin de la boucle, c'est ça? Et l'autre, qu'est-ce que ça pourrait être? Prendre le cœur, attendre l'explosion du soleil dans le monde onirique, ouais, voilà. Et deux, qu'est-ce que ça pourrait être? Tu détruis le cœur directement sur place. Tu le mets peut-être dans le feu. La seconde, pareil, mais sans aller dans le monde onirique. Tu restes dans l'étranger qui te protégera de la supernova. Ah. Oh. Oh. Ah, ok. Ah ouais, d'accord. Une en dehors et une dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais attends. Si on va dans le monde onirique, on est obligé de laisser le réacteur à l'extérieur, on est d'accord. Quelle fin vous voulez qu'on fasse? Que c'est long. Ou vous voulez qu'on fasse les deux fins? Moi, je suis pour. Hein. On pourra dormir la prochaine fois, mais. C'est comme vous le voulez. Okay, d'ailleurs, on va. Ça déjà. Tac. C'est pas grave, ce qui est important, c'est de désactiver le projet sablier noir pour couper la boucle. Ah, d'accord, ok. Ah, et donc il y a le. Ouais. Le réacteur, il va servir à rien dans l'étranger en fait. On peut même refaire la fin normale. Non merci, Avia. Tu pourras la regarder en rediff. C'est tellement chiant que... Enfin, chiant. C'est peut-être pas le mot, chiant. Enfin, si, c'est un peu chiant à force. Donc, je me demande s'ils ont prévu de faire autre chose, d'ailleurs. S'ils ont prévu un autre DLC ou... Valfi est toujours là ou enfin tu nous entends maintenant, tu nous vois? Non, je me posais la question, mais c'est pour ça que quand le soleil explose, c'était pas l'explosion qui nous tuait, mais la boucle qui redémarrait, pas la même animation. Ah oui, dans l'étranger. Oui, c'est pour ça que... Ouais, ça je le savais. Ça, je le savais. Parce que... parce que ça arrive longtemps après, en fait. On a plus de temps, en fait. J'ai remarqué dans l'étranger, en fait. Une fois que la musique est lancée et tout. Qu'à l'extérieur. Donc j'en ai conclu que on crevait pas en fait. C'est logique. Par contre, il faudrait capter ce que c'est que les volets qui se ferment là.
Ça, j'aimerais bien capter. Je sais que toi aussi, d'ailleurs. Ah non, on s'arrête. Ah, c'est bon, il s'est arrêté. Okay. Ce que je comprends, il protège le soleil. Ah, c'est ce que... Ok, donc, comme moi, en fait. D'accord. Il n'y a pas de... Ok. Je pensais qu'il y aurait une autre explication, parce que... Ça protège pas partout, en fait. C'est ça qui est bizarre. Donc, ça, je trouve étrange. Vu dans la salle de contrôle du barrage, on voit plus que plus le soleil a d'énergie, plus les follets sont ouverts. Ah, ouais, ça, c'est vrai, j'avais pas... D'accord, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, c'est une race supérieure. En même temps, ils ont quand même découvert la matrice, donc... On devrait pouvoir s'enterrer avec les jetpacks. Supérieur, bah oui, ils sont très grands. Ça aussi. Très très grands. On fait quoi à la bord là? On fait la... Plus simple? La plus compliquée, je veux dire. La plus compliquée, c'est quoi? C'est d'aller dans le monde onirique. Par contre, on sait ce qui fait exploser le barrage, c'est une coïncidence. J'ai essayé d'aller voir. Franchement, j'ai pas trouvé. Et on n'a pas eu d'informations particulières qui nous expliqueraient ça. Je pense qu'effectivement, ça doit être l'usure. Ouais. Ça fait longtemps que le truc est là. Ils ont pas inventé le football, eux. C'est pas faux. Ah, on se calme. On se calme. Là, 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 là. Putain, c'est vraiment bizarre. Yeah. Tu vois, c'est pour ça, Manako, que j'en concluais que il faut attendre qu'ils soient encore en conjonction. Je pense que le guetteur que tu utilises pour rentrer, il fait un peu bugger. Tu crois? Putain, je l'ai viré, hein. Ah, tu vois, le truc, là, il apparaissait, là. Bizarre. Ah! Ah! De mémoire, tu peux y aller direct. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait. En Valfi, il entend toujours pas? D'ailleurs, dans l'humanité, le jeu est toujours présent. Pourquoi on parle des jeux? On parle pas des jeux des êtres extraterrestres, mais dans la SF. Ah, mais si! Ça arrive!
les jeux de société, enfin les comment les jeux que les sociétés extraterrestres ont inventés, genre des sports, des trucs comme ça quoi. Tu votes pour rester dans l'étranger. OK. Ah, t'es là, OK. Je croyais que ça buguait toujours en fait. Ça marche, Valfi. Inscription dans la première zone, ouais. Il faut aller s'amarrer là-bas. On pourrait faire l'autre fin aussi. Hein. Bah, remarquez. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez, franchement. Moi, je la ferai de toute façon, parce qu'à tous les coups, ça fait un achievement. Inscription. Non. Oh bah bah. Dommage hein. Dommage, ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire, ça aurait été logique et bon. Donc là on n'a plus qu'à attendre. Rembourser. Je fais comment Je vais dormir. Est-ce que je peux dormir pour attendre la fin de la boucle? Ouais. Ça va. C'est bon, je laisse courir le truc. Ah merde. J'avais oublié ce petit détail à cet endroit-là. C'était le mauvais feu. Ok. Faut aller dans le seul feu qui résiste bien, c'est celui du on peut plus aller dans la gorge, donc ça va être celui de la statue, hein. Enfin du coffre. Reste combien de temps après le barrage? C'est à peu près à la moitié du temps, donc il reste 10 minutes. On pourrait aussi regarder en fait ce qui se passe. Donc en fait, peut-être que le mieux, ça serait d'aller... Ouais, exactement. La salle d'observation du barrage, carrément. Bah on peut le faire. On peut le faire, on va le faire. On va le faire. Carrément, c'est une bonne idée. Celle qui donne sur le soleil, exactement. On va faire ça. On peut, après le barrage, on s'amarre, on va à droite là. Putain. Est-ce qu'on peut en fait? Je sais pas si on peut encore en fait. Elle est sous l'eau le truc en fait. Ah, le truc est sous l'eau en fait. Est-ce que je peux prendre la... Je sais pas si je tente. Quand même. C'est où l'autre sortie? L'autre sortie est... Pierre fait la fin onirique cette fois, ouais, remarque. Ouais. Ah, t'as raison, mais faut que j'aille choper l'artefact. Fuck.
Y'a moi, et... Faut faire gaffe avec le... Je peux lâcher le... Je peux lâcher le cœur, là, on est d'accord. Ok. Tiens, non, il fait quoi dans l'eau, le cœur? Ah, il fait rien. Putain, c'est chaud. Il n'y a plus de matière Il n'y a plus de matière fantôme sous l'eau. Ok. C'est marrant. Ah. Je peux pas le poser. Ah, c'est abusé. Fuck, 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 fuck. On va y arriver. Vite. Ah. Il faudrait trouver un radeau là. Si on veut éviter la mort. La musique est lourde. La musique en boucle là. Non. Chiotte. Ah putain. Il y a le radeau là, mais celui-là il va. Je sais pas si. Yes. Ok. Allez, allez, dépêche. Je pense pas qu'il reste beaucoup de temps là. Je fais quoi, je me tue ou je dors? Je me tue, je dors. Ah oui, je vais dans le monde, je suis con. Oui. Voilà, ok, yes. J'allais continuer à dormir en fait. Ah, il commence à gueuler. C'est que... C'est comme ça que ça marche. J'ai oublié. Ah.
a réussi. Yes. Non? Quoi non? Tue-toi. Ok. Ok. Je me tue. Non mais pas comme ça. Je vais dans l'eau. Voilà. Fou. Ok. Ah. Combien de temps a bien pu s'écouler? Il ne cherche même plus à vous donner la chasse. Le temps passe et passe jusqu'à ce que votre vie ne soit plus qu'un rêve à moitié oublié. Si seulement vous pouviez vous réveiller. Ouais, c'était un peu juste, effectivement. Oh, cool. Cool, cool, cool. Ok, suite. Merci, Kaena. Ok. Troisième fin, alors. On va le faire rapidement. On va dormir un peu avant, c'est ça? Histoire de laisser passer un peu de temps. Et bienvenue, Kaena. Comment ça va? Hop. On laisse quoi? C'est combien de temps? Trois minutes? Cinq minutes? Ça va toujours, cool. Facile 10, tu crois? Voire 15. Ouais, faut... Ouais. Ok. La boucle, c'est 22. Ouais, c'est vrai. On va pas avoir des soucis pour rentrer dans le... On a juste à prendre le cœur et à... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je vais viser 10, alors. Retaneur, je sais pas si je t'ai vu arriver, je suis con. Ok. Ça suffit là. Il va y avoir un souci, hein. Sept minutes, on va voir. T'es là depuis peu, ok, d'accord. Re alors. Là où tu gardes ton vaisseau, tu prends l'ascenseur caché. Je pense que c'est bon. L'ascenseur caché. Ah mais c'est bon, c'est largement bon là en fait. On est bon là. Ah celui qui monte dans le bar pour après, ouais. Non, j'avais surtout peur pour ici en fait. J'ai réussi à débloquer le bug de ma manette pour Lego. Donc je peux rejoindre. Ah cool. GG. ouais, on peut garder le truc jusqu'à la fin. J'ai eu un instant d'hésitation en me disant que si on attend trop, on pourrait pas monter dans le barrage. D'accord, non, si le barrage, y a pas de souci, mais. Ouais. Le barrage, même s'il casse, y a pas de souci. On n'a pas eu d'achievement, je crois, pour la fin d'avant. Là.
Ok, ça fait peur. Faut attendre que le carré bleu apparaisse, c'est ça que j'avais vu moi. Ah voilà, tu vois, là on peut. Hop. C'est ça que j'avais vu à la base. Heureux, Jaléniel. Oh putain. Non, me fais pas ça. Là. Merde. Ah. Ouais, il a failli y avoir un drame. Alors, Ninja Nocturne, bah non, normalement, il y a quasiment toujours Ninja à cette heure-là, le vendredi soir. J'allais bien, là, normalement, on joue avec Mu, mais Mu est malade. Du coup, bah, j'en profite pour finir ce que j'ai pas pu finir tout à l'heure sur Outer Wilds. On a déjà fait deux fins. Des ninjas programmés, ouais. Mais c'est des ninjas, on sait pas à quelle heure ils commencent, mais ça reste des ninjas, parce que ils sont imprévisibles quand même, au niveau de l'heure en tout cas. Donc voilà, donc on a déjà fini la vraie fin, j'imagine. On va appeler ça comme ça. Et on a fait une autre fin alternative et on en fait une troisième, a priori ce sera tout. Mais pour celle-là, on veut que ça finisse en apothéose. Allez voir le soleil exploser. Bah attends, je suis sur le mauvais... Ah non, j'ai cru que j'étais sur la mauvaise entrée. Ça aurait été ballot. Fuck, ok. Ça se trouve, on peut faire des trucs avec le réacteur. Là. Je sais pas quoi. Mais... Ciao, ciao, Kaina, des bisous. Ah oui, c'est par là. Je remonte là en fait. Voilà. C'est le meilleur point de vue, on est d'accord. Voilà. Fait un moment que t'es sur la fin, si tu restes pas mal de choses à faire finalement. Non, on fait la. C'est la. C'est la troisième fin, Valfi. On voit pas bien là, je me mets là. Oh putain. J'ai eu peur à un moment. Voilà, comme ça, c'est très bien. C'est aller dans la salle d'observation. Bah c'est pas ça? C'est pas ça la salle d'observation
Ah, tu veux aller, tu veux dire l'autre? Tu veux dire par là? Peut-être mieux, hein. Ça revient au même. Bah, le truc, c'est qu'en fait, il y a les volets qui cachent, en fait. Et bientôt à la fin. On m'en voit plus. Je remonte. On voyait mieux en haut, je crois. Là. Je m'énerve avec les... Il y a la lune quantique juste là, c'est ça? Ah non, c'est peut-être les Viates en fait, non. Ouais, c'est les Viates. On la voit pas de si loin en fait, la lune quantique, de toute façon. En fait, ça devrait être au centre là, regardé par le hublot là. Ça reste quand même bizarre que je comprends que ça protège, ça... enfin ça protège pas les yeux en fait, parce que on voit à certains moments, ça doit protéger de l'énergie, c'est ça en fait. Certaines radiations, j'imagine, je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que ça recouvre pas tout en fait? C'est même pas un filtre en fait, ça bloque complètement. Ça m'énerve. Tu sais mettre la map. Technologie avancée, ouais. TGCM, ta gueule, c'est magique. Il est où l'intrus? Il est là. Il y en a pour un moment en fait. Bon bah je vais aux toilettes, hein. Au revoir. Non, je plaisante. Puis retourne dans la salle bien noire, voir le temps qui te reste. Non mais de... il y avait le compteur il y avait le compteur dans la salle de contrôle en plus bas là. Ah bon, non mais c'est bon. En attente de la fin du monde. Ouais, je crois que là, passe dessus. Hein.
de la fin de mon peuple, de la fin de... Bah de tout le monde, de... Bah en fait, de tous les soleils, on avait dit en plus, donc de l'univers en fait. Je pensais pas que... On aurait dû attendre 10 minutes, t'as raison. Je pensais pas que... Qu'il restait autant de temps, en fait. Le lance-laisse commence pas à gonfler avant l'intrus. Si oui, ça voudrait dire que c'est pas l'intrus qui le fait exploser. C'est peut-être... Moi, en fait, le truc, c'est qu'il y a de la matière fantôme sur l'intrus, c'est ça? Ou... je me rappelle plus. Tiens, voilà, ça, là, boum. Coucou, Urban! Bienvenue. À la fin de tout. Attention, spoiler alert grave. Ah, c'est mort, là. Si vous êtes là, c'est mort. Oh là là. OK. Et ben voilà, il n'y a plus rien. Oh mon Dieu! Les étoiles se sont éteintes. Merde, je n'arrive plus à remonter. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut dire qu'on t'entendra pas crier. Non, là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous sommes la seule personne vivante de l'univers. De ce que je dis, il n'y a pas de message de fin alternative. Ah! Tu restes juste indéfiniment ici. Ah mais c'est pas une fin. Ah si, désormais hors de portée de la supernova, vous êtes la seule personne à habiter un monde abandonné. Il doit bien y avoir quelque chose de comestible par ici. Cool. Bon bah ça le fait. Du coup il y a quand même un message de fin. Ouais. Eh bien troisième fin achevée. Merci merci Maoneko d'avoir check pour les deux fins alternatives. En tout cas on a fait la bonne fin je pense. Et ça c'est cool. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'était le Kino avec l'épisode numéro 6 et le dernier épisode du DLC d'Outer Wilds, Echoes of the Eye. Et merci beaucoup et à la prochaine.